Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce des dieux. Je vous retrouve une fois de plus pour une vidéo motivation, ménage et cuisine. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Caraway. Je vais déballer mes poêles, casseroles et ustensiles de cuisson en céramique anti-adhésif. Dans mon premier paquet, j'ai reçu des pots, casseroles, couvercles et rangements de cuisine non toxiques. Ces casseroles et poêles anti-adhésif super lisse nécessite moins d'huile ou de beurre pour la cuisson et un lavage minimal pour un nettoyage impeccable, vous offrant ainsi une expérience culinaire à la maison plus facile et plus saine. Les ustensiles de cuisine Caraway sont exempts des matériaux toxiques qui peuvent s'infiltrer dans vos aliments, ce qui les rend sûrs pour vous, votre famille et l'environnement. C'est fait pour n'importe quelle cuisine et plaque de cuisson. Ils peuvent être utilisés sur les plaques de cuisson d'induction, de gaz et électrique et sont sûrs au four jusqu'à 550 degrés Fahrenheit, ce qui les rend plus parfaits pour la cuisson du pain et des rôtis. Pour moi qui aime bien les rôtis, je ne peux pas les battre. L'emballage était protecteur et minimal. Cet ensemble d'ustensiles de cuisine a coché chaque boîte pour moi. Du déballage satisfaisant au stockage facile et au nettoyage facile, cela vaut chaque centime. J'aime le système de stockage magnétique fourni avec la commande. Il permet un stockage facile sur les comptoirs qui fière allure et est facile d'accès. Le stockage des couvercles suspendus est également une méthode géniale pour gagner l'espace pour ceux qui ont des petites cuisines comme moi. Et c'est assez beau pour servir, donc je peux les amener jusqu'à la table de la salle à manger. Vous pouvez sentir la qualité juste en les touchant. Je vous assure que c'est le meilleur pot ou casserole ou même ustensile de cuisson adhésif que j'ai utilisé. Il chauffe uniformément et nettoie après un rinçage facile sous l'évier. Je vous le recommande vivement. Vous aurez tous les détails sur les achats dans la barre des descriptions avec une très bonne réduction. Donc, checkez la
barre de description. Merci à Caraway d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous partager une recette dans cette vidéo avec mon ustensile Caraway. Mais en attendant, on va arranger tout ça et vous verrez comment c'est juste facile aux yeux, easy on eyes. Je vous recommande vivement ces ustensiles de cuisine. Et là, j'étais en train de voir comment correctement ranger mes ustensiles dans mon armoire. Les autres plateaux de cuisson, j'ai mis ça dans les sens inverse parce que c'était un peu lent par rapport à mes armoires. Sinon, là derrière, j'ai stocké d'autres ustensiles et j'ai vraiment gagné en termes d'espace. Donc, ces rangements vous permettent de vraiment gagner votre espace pour ceux qui ont des petites cuisines. Je vais vous partager une petite recette bouillon rapidement. Il s'agira du bouillon de bitoyo, autrement dit poisson salé. Voilà, je vais utiliser ma casserole Caraway pour ce bouillon. Voilà, j'ai nettoyé mes poissons salés, appelés bitoyo, j'ai mis dans la casserole. Là, je suis en train de couper les oignons, l'oignon nouveau, tomates, poivrons. Voilà, je vais mettre ça dans mes poissons. Je vais rajouter mes autres ingrédients en poudre. Je vais écrire pour vous juste à côté. Et puis, on va mettre de l'eau, après un peu d'huile végétale. Et puis, vous allez voir les résultats de mon bouillon des bitoyo. Thank you.
laisser la porte de la maison ouverte. Et comme c'est déjà l'été, il fait chaud, il y a un peu des mouches dehors. Du coup, quand on laisse la porte ouverte, ils rentrent. Alors, astuce pour les chasser quand on fait la cuisine, c'est d'allumer juste une bougie. Alors, moi, j'ai allumé une bougie sur les countertops, une autre bougie sur la cuisinière et l'autre du côté fenêtre. Et ça a quasiment réussi à les chasser. Là, mon bouillon commençait déjà à bien mijoter. J'ai rajouté un peu d'huile. Sinon, vous pouvez toujours mettre ça au début. Moi, comme j'avais oublié, j'ai mis de l'huile un peu en retard. Sinon, quand vous mettez les ingrédients, vous pouvez directement mettre de l'huile. C'est beaucoup plus pratique. À côté, j'ai fait également mon okra, voilà, le gombo, voilà, avec les épinards et les poissons chats, le tout avec un peu d'huile rouge, voilà. J'ai pas tout filmé, c'était juste mettre le gombo, épinards, les oignons, l'oignon nouveau, un peu d'huile rouge et un peu des poissons chats. Et ça vous fait ça juste délicieux. Voilà, fini pour la nourriture. Je suis passée rapidement à la chambre des visiteurs. Ce soir-là, on devait recevoir un invité chez nous. C'était la semaine de la graduation de mon mari. Donc, on avait les invités de partout qui sont venus des différents states. Alors là, il était juste question d'avoir la chambre prête avant que notre invité n'arrive à la maison. Le lit était déjà fait. J'avais juste lavé la grosse couverture là du dessus, les essuies et tout. Je vais juste mettre tout ça ensemble, que la chambre soit juste prête quand notre invité arrive pour qu'il se repose. Pour ceux qui sont curieux, les rideaux de la douche viennent de chez Walmart. C'est venu avec le tapis, voilà. Et les deux essuies également, gray, ça vient également de chez Walmart. Le rideau et le tapis, ça m'a fait 24$. Et les essuies, ça m'a fait 8$, point quelque chose par essuie. Donc, tout vient de chez Walmart.
la chambre des visiteurs est propre. Je vais juste parfumer et vous donner le petit tour. Et on va se dire au revoir pour la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas ou n'hésitez pas de me laisser vos pouces bleus, vos commentaires, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quand vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Bye bye! Thank you.